Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une autre journée fraîche qui nous attend. La Smart a chargé toute la nuit en mode lent et elle est verrouillée naturellement. Donc la clé se trouve, hop, et on voit que le chargeur affiche 12.7, 12.5, 12.4, rien que parce qu'on a allumé les phares et la batterie descend. C'est pas super bon signe pour la batterie. Et ça nous dit qu'elle est pleine. Bon, je vais la laisser charger encore un peu, je pense. Ça me dit qu'elle est pleine, mais on va voir si elle le reste. Et je vais m'attaquer au tube pour le support de la caisse et de la coccinelle. Alors, pour ça, il va falloir percer de nombreux trous là-dedans. Et il faut que j'en coupe un à 45 degrés pour voir à quelle hauteur arrivent mes goussets pour calculer la largeur qu'il me faut, la longueur qu'il me faut dans ces tubes. Je vous retrouve quand j'ai fait un peu plus de maths. Vous venez de me voir, a priori, si ça a bien marché, couper ces tubes tous à la bonne longueur et percer des trous. Ce sont les trous qui viendront avec une vis qui permettra de bloquer ça à un niveau. Et j'ai fait plein un niveau tous les 5 cm parce que pour deux raisons. La première, le sol n'est pas plat, ça me permettra de la maintenir elle à niveau. Et deuxièmement, quand il s'agira de la descendre ou de la monter, ça évitera de le faire par trop gros palier. Je peux le faire par petits bouts. Vachement plus pratique. Je ne vais pas faire une vis filetée comme sur la rôtisserie. Ça, c'est pas la peine. Et là, vous m'avez vu percer des trous là-dedans. Ça, c'est donc les morceaux qui vont soutenir les barres en bois. Et ces quatre trous, je vais souder des écrous à l'extérieur de façon à pouvoir visser une vis du M8, puisque j'ai percé du 8, qui viendra s'appuyer là-dessus et qui permettra de le... Comment dire ? De le caler vraiment pour pas qu'il bouge, puisque c'est trop gros, mais j'ai pas la bonne taille. Hein. C'est pas que je m'amuse à faire trop gros et que je voulais faire plus de trous, c'est que j'ai pas la bonne taille. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un décalage. Et c'est ce décalage que ces vis vont rattraper quand je serai satisfait de la position. J'ai mes deux grands tubes d'1m90, 1m30 entre les deux poteaux, plus les goussets que j'ai coupés aussi tout à l'heure. J'ai 8 goussets, 2 par tube. Tout ce qui me manque à ce stade, j'ai mes morceaux de 10 cm aussi qui sont là. Ça, c'est ceux sur lesquels vont reposer les planches qui seront soudées à l'angle des tubes de 40 que j'ai percés. Bref, j'ai pas mal avancé, mais je vais m'arrêter là. Je suis attendu à Lyon par mamie, enfin ma mère que j'appelle mamie à cause du chien. Ça l'amuse beaucoup. Et le fait qu'elle ait deux nièces aussi, hein, mais pas de moi. Pour régler son problème de purge des radiateurs. Elle a aussi un problème informatique de haut niveau. Elle n'arrive pas à brancher son écran à son ordinateur portable. Donc ça, je m'en occuperai. Ça, c'est pas compliqué. Je pense qu'elle a pris le mauvais fil. Mais je vais aller faire la route. Donc l'épisode va s'arrêter là. Parce que franchement, purger des radiateurs, vous m'excuserez, je ne vais pas le filmer. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Et puis, je vais revenir ici demain. Je fais juste l'aller-retour. Mais avec le couvre-feu, je passerai la soirée. Ça m'évitera de courir trop. C'est pour ça que je pars milieu d'après-midi, j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire et je peux revenir ici demain. Et mon objectif demain, ce sera de tracer et souder et il faudra que j'enlève un peu de peinture en bout des tubes. Tout un programme. Mais avec un peu de chance, demain, j'ai un support pour la caisse. Dans ce que je n'ai pas coupé et préparé, il y a les morceaux qui vont relier les deux côtés entre les morceaux de 40 de façon à maintenir l'écartement.
Ça, c'est. Faut que je mesure ce que je veux réellement, que je prenne une décision et que je fasse la découpe. Bon, enfin, ça ira vite, hein. Ça va être deux tubes de 30 soudés en travers. Pas bien compliqué. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous retrouve demain pour, avec un peu de chance, finir ça ou presque. J'avoue que c'est pas facile avec un plan que je compose au fur et à mesure, mais j'ai la flemme de le dessiner et de le réfléchir trop. Voilà. Je sais, c'est pas bien.